Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors voilà, il est très tôt le matin et je suis encore en pyjama. Mais je voulais vous faire partager quelque chose que je fais tous les matins. C'est la première chose que je fais quand je me lève. C'est en fait ma prière du matin. Voilà. Et puis je voulais aussi vous montrer le saule pleureur derrière moi qui est le seul qui a gardé ses feuilles pour le moment et qui reste encore majestueux avec ce qui lui reste, et voilà, ça balance tranquillement au gré du vent, il n'y a pas de souci, tout va bien, il faut prendre exemple sur lui. Voilà, je vais vous montrer ce que je fais dans mon petit pot à cailloux, et puis on se retrouve tout de suite après. Ça va? Alors voilà, je suis accompagnée de Loki. Je suis souvent accompagnée d'un petit chat. Et j'ai allumé un petit bâton d'encens. J'ai fait mon petit pot il y a un petit bout de temps avec ce que j'ai trouvé. Voilà, j'ai récupéré des petites choses et puis je me suis fait un petit pot de terre avec de la pierre. À savoir qu'il a un double usage, c'est-à-dire que l'été, il abreuve les insectes, les abeilles, les papillons, parce que la terre va jusque là à peu près. Hélios, la terre va jusque là. Et puis tout le reste, en fait, c'est des petits cailloux de décoration que j'ai récupérés. Et quand l'été est là, et puis qu'il fait très chaud et qu'il n'y a pas beaucoup de sources pour boire, eh bien, je mets de l'eau. Vraiment, j'imbibe l'eau entièrement, ce qui fait que les cailloux sont juste mouillés. Ils sont pas submergés, hein, ils sont juste mouillés. Et du coup, les petites bêtes, elles peuvent se poser dessus et boire. Voilà. Donc, voilà, j'ai allumé mon petit bâton d'encens. Et ce que je fais tous les matins, c'est ça. Je me lève. J'allume mon bâton d'encens. Je le plante, voilà, il est tenu dans la terre et puis il y a les petits cailloux au-dessus. Et je dis, cher univers, merci pour tout ce que tu m'as donné et appris hier et ce que tu me donneras et apprendras aujourd'hui. Que l'abondance soit. Et c'est tout. Et après, je regarde la nature, mes petits chats et puis ben, je vais faire le petit déjeuner et puis la journée... La journée commence, quoi, hein. Voilà, j'espère que cette petite prière vous aura inspiré, que vous pourrez faire la même chose chez vous, avec un petit bol, des cailloux, une petite figurine, ce que vous voulez. Ben voilà, vous pouvez créer un petit pot à encens extérieur. Et à savoir que je le fais qu'il vente ou qu'il pleuve. Donc parfois, je suis obligée d'abriter mon petit pot si je veux que le bâton d'encens brûle, parce que sinon, ça, hein, avec la pluie, ça s'éteint. Voilà, et bien, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée. Pleine d'abondance, de lumière et de joie. Allez, à bientôt !